what music wall out song. Expatrié, on est comme sur une montagne, tout l'on contemple mieux la vallée et le paysage environnant. Et là je peux me rendre compte de la profondeur de l'aspiration de notre peuple à la paix et à l'unité nationale, ainsi que sa conviction qui a parvenu. Nous parlons tous de la paix et de la sécurité. Nous voulons tous vivre libre et en toute quiétude. Intellectuellement, monsieur, je n'ai pas tout seul et par hasard. Et ne constitue pas un don gratuit, c'est au contraire. La résistance d'un ensemble de comportements responsables. La volonté de libérer, d'accepter et de respecter l'autre. La capacité de nous comporter envers autrui comme nous aimons qu'on se comporte envers nous. À l'étranger, on n'est ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. On est togolais tout court et fier de l'être à l'étranger. On ne se réjouit jamais des divisions de son peuple ou de sa classe politique. On rêve d'un pays fort, paisible et développé, positivement engagé pour sa vie de modèle. Nous sommes en face de défis qui exigent des sacrifices de nous tous. La résistance d'un ensemble de comportements responsables. La volonté de libérer, d'accepter et de respecter l'autre. La capacité de nous comporter envers autrui comme nous aimons qu'on se comporte envers nous. Développement du Togo ne doit pas être opposé au bonheur des Togolais. Il doit favoriser le bonheur des Togolais. Il doit favoriser l'amour entre Togolais, les relations humaines, permettre de s'occuper de ses enfants, d'avoir des amis, d'avoir le minimum vital, d'avoir des amis. Nous sommes en face de défis qui exigent des sacrifices de nous tous. La résistance d'un ensemble de comportements responsables. La volonté de libérer, d'accepter et de respecter l'autre. La capacité de nous comporter envers autrui comme nous aimons qu'on se comporte envers nous. La résistance d'un ensemble de comportements responsables. La volonté de libérer, d'accepter et de respecter l'autre. La capacité de nous comporter envers autrui comme nous aimons qu'on se comporte envers nous.